Dossier Anel et Belize. Et juge qui t'a mené instruction dans le dossier ça, nous connaissons en pile et juge qui passait dans le dossier ça déjà. Eh bien, et enfin, les grandes ordonnances. Et d'après ordonnance ça, eh bien, Anel Belize, il pourra le juger. Et pour nous capables de gagner plus de détails, nous pourrons attendre des avocats Anel Belize, et puis nous pourrons attendre des parquets tout. Et les mêmes qui pourra avoir réaction dans le dossier ça. Mais il fait à travers radio. Qu'est-ce qu'il y a? Liliane Pierre-Paul pour plus précision. Instruction Annie Fignolet. C'est lui-même qui était sous dossier, ancien député Arnel Bélizère, une ordonnance li, ordonnance de renvoi et pour ancien député Arnel Bélizère avec Pierre Kilik Semelus qui doit être jugé devant un tribunal correctionnel et puis ordonnance de non-lieu et pour plusieurs autres pour nous être arrêtés. Et ça, chef paquet Port-au-Prince, non? Maître Jacques Lafontaine, commissaire gouvernement AI, annoncé paquet a fait appel de ordonnance. D'ailleurs, il fait connaître toute partie qui concerne eux déjà signifiée. N'attendez le nom micro, Beethoven, François Fils. Je suis en mesure de confirmer qu'effectivement le juge instructeur Annie Fignolet a rendu son ordonnance de clôture et laquelle ordonnance et par laquelle Anel Belizère et Kilik sont renvoyés par devant le tribunal correctionnel pour connaître leur sort pour détention armes à feu et détention illégale à mort. L'autre monde qui était concerné dans le cadre de ces ça est libéré, juge l'a demandé pour libérer. Non, pas libéré. Je lui ai ordonné libération, mais c'est pas quelqu'un qui a exécuté. En vertu de l'article 18 du code d'instruction criminelle, c'est le parquet qui doit exécuter décision ça. Est-ce que nous-mêmes, dans le parquet, on a fait appel? Pas du tout qu'on a fait appel. Mais les parties civiles peuvent aussi interjeter appel. Et en cela, il y en a trois. Il y a l'ambassade américaine, la couronne et puis l'Union Soule. Donc nous-mêmes, nous ne disons pas appel parce que nous ne pas faire dans l'intérêt de la loi. Et que dit la loi à ce sujet? La loi du 23 mai 1989 dit que il prévoit une peine criminelle ou correctionnelle. En cette matière, le pouvoir jusqu'à 15 ans. Donc, si, en correctionnel, la peine qui peut être appliquée, c'est une peine criminelle, donc, il n'y a pas de nécessité pour me faire appel à l'ordonnance. C'est seulement préparer le dossier à mettre en état et que pour capable et pour voir un individu mon souli, pour aller dans un délai raisonnable, pour qu'on soit là. Et en plus, et pour des crimes, je dis à la, dans l'opinion publique, la détention illégale de ma feu, il est presque criminalisé. Il est presque pas en détention, il est presque pas en délit encore. Il est presque un crime de l'opinion. Maintenant, si nous faisons procès, nous faisons tenir procès, nous prenons gagner occasion de manière didactique pour nous capables de signaler à les jeunes garçons qui ont moins d'âmes, jeunes femmes qui ont moins d'âmes, et qui ont endeuillé des familles, et que pour nous capables de prendre conscience de ne pas moins encore. Mais si on travaille des procès pour ça, quand elle médiatise, le ministère public a recueilli la peine, le juge a décidé, la fait exception, attendu que tel procès a tombé. Et que nous n'avons pas conscience que pas de moyen, ça m'encore, pour détruire la famille. Vous signifiez partie ordonnance déjà? Oui, il faut me signifier. Il faut me signifier d'abord. Moi-même, j'ai 3 jours ordinaires, qui est égal à 1 jour franc, et 3 jours ordinaires, et les parties ont 10 jours pour interjeter l'appel. Donc, normalement, de manière procédurale, il faut me signifier partie en avant, pour moi, ce n'est pas appel tout. Et il y a des délais pour faire appel par eux-mêmes. Oui, on capable de faire par eux-mêmes. Que ce soit partie civile ou bien partie qui a défendu Anel. Tout à fait. Comment nous pourrons faire ça pour permettre que la loi applique comme ça doit pour nous suivre tout principe? Non, procès. Le procès n'est jamais gagné d'avance. C'est ça le principe la vie. Donc, procès est capable de faire. Donc, en nous tenant tenu procès pour nous, et qu'est-ce qui va se passer? On attend pour nous qui ça s'appelle dans le dossier Anel Belize, ou même comme avocat de la société, ou prêt pour droit prévenu et respecté. Moi-même, pour un procès équitable, pour un grand procès, quand on va requérir la peine. Et c'est ça le rôle du ministère public. Voilà, c'est le commissaire gouvernement Port-au-Prince AI, M. Jacques Lafontaine, dans le micro Beethoven, François Fils. Il y a un avocat, ancien député Anel Belize, qui s'est mis Marc-Antoine Maisonneuve, dit Apton, et procès à la correctionnelle pour capable défendre client Anel Belize avec Kilik, Pierre Kilik, Semelus, d'après ça, le fait connaître, et qui est en prison d'aide à la loi. Si ça met Maisonneuve précisé, il dit il n'y a pas fait appel. N'attendez le micro Beethoven, François Fils. Il s'agit d'une ordonnance à travers laquelle le juge instructeur a ordonné de mettre hors des liens de la prévention et plusieurs prisonniers politiques, plusieurs inculpés et Paul Joannel et autres. Et Fomdo, à l'exception de Anel et Belizère avec Pierre Kilik Semelus, j'ai lu
et l'ordonnance, à l'exception de deux Mounsayo, que le juge instructeur l'a mandé pour déférer ou bien pour aller juger par devant le tribunal et correctionnel. Et qu'il y a là, la question qu'il faut formuler, est-ce que le commissaire du gouvernement va effectivement interjeter appel de ça qui passe à l'ordre? L'idil pas fait appel, l'idil pas interjeter appel. Bien content. Parce que, on est d'accord avec même, et Beethoven, et ces prisonniers politiques et ont été considérablement victimes. Parce que, pas oublier, ils étaient restés en prison au-delà du délai qui est prévu et par la loi. D'ailleurs, ils étaient supposés, instruction, étaient supposés finir le délai qui n'est pas dépassé. Et 3 mois, ils ont presque 8-9 mois là, 10 mois, depuis qu'ils ont fermé en prison. Et forme d'où bien, et pour Anel, qui ça yo lagué sous dol, c'est détention zam illégal avec menace. Bon. Et pour Pierre Kilik Semelis, c'est pour zam illégal avec un autre mensonge, vol, et zam yo lagué sous dol. Bon, forme d'où, j'ai parlé à Kilik hier soir. Mais nous avons parlé d'une question de vol d'âme, un policier, l'ordonnance, il y a lagué sous dos. Est-ce qu'on va dire ça? Je dis, mettre mes honneurs, c'est tel jour que tu as une manifestation, et puis manifestation est finie très tard, tu as campé tel côté, et puis après, je regarde sur les réseaux sociaux, je mets des photos de monde qui a laissé policier, et que monde qui parle au MIO, ou bien proche équipe au pouvoir là, a fait comprendre que Kilik Semelis, c'est des amis policiers, ça, ils prennent amis. Bon, attendez bien. Jusqu'à cette présente minute, et Pierre Kilik Semelis n'a jamais vu ce policier-là. Ouais. Elle a dit, c'est une mention, je dis, c'est fait pas qu'un bé. Bon, plutôt, attendez. Je vous donne la garantie que nous allons obtenir la libération de ces deux prisonniers politiques. Voilà, c'est Maître Marc-Antoine Maisonneuve, un avocat. Et Arnel Belizer, tu as parlé comme ça dans le micro, Beethoven, François Fils. Instruction, Annie Fignolé, c'est lui-même qui était sous dossier, ancien député Arnel Belizer, une ordonnance, ordonnance de renvoi et pour ancien député Arnel Belizer avec Pierre Kilik Semelis qui doit être jugé devant un tribunal correctionnel et puis ordonnance de non-lieu et pour et plusieurs autres personnes ont été arrêtées. Et ça, chef paquet Port-au-Prince, non, maître Jacques Lafontaine, commissaire gouvernement AI, annoncé paquet a fait appel de ordonnance. D'ailleurs, il fait connaître toute partie qui concerne déjà signifié. N'attendez le nom micro, Beethoven, François Fils. Je suis en mesure de confirmer qu'effectivement, le juge instructeur Annie Fiolet a rendu son ordonnance de clôture et laquelle ordonnance, et par laquelle, et Anel Belizer et Kilik sont renvoyés par devant le tribunal correctionnel pour connaître leur sort pour détention, arme à feu, détention illégale à mort. L'autre monde qui était concerné dans le cadre de ces ça, il est libéré, juste l'a demandé pour libérer. Non, il faut libérer. Je lui ai ordonné libération, mais c'est pas quelqu'un qui a exécuté. En vertu de l'article 18 du code d'instruction criminelle, c'est le parquet qui doit exécuter décision ça. Est-ce que nous-mêmes, dans le parquet, on a fait appel? Nous avons fait appel. Les parties civiles peuvent aussi interjeter appel. Et en cela, il y en a trois. Il y a l'ambassade américaine, la couronne et puis Union Soul. Donc nous-mêmes, nous ne disons pas appel parce que nous pas fait dans l'intérêt de la loi. Et que dit la loi à ce sujet? La loi du 23 mai 1989 dit que il prévoit une peine criminelle ou correctionnelle. En cette matière, le pourvoi jusqu'à 15 ans. Donc si, en correctionnel, la peine qui peut être appliquée, c'est une peine criminelle, donc il n'y a pas de nécessité pour me faire appel à l'ordonnance. C'est seulement préparer le dossier à mettre dans l'État et que pour capable de pouvoir indiquer mon souli, pour aller dans un délai raisonnable, pour qu'on est soi. Et en plus, et pour des crimes, je dis à la, dans l'opinion publique, la détention illégale de ma feu, il est presque criminalisé. Il est presque pas en détention, il est presque pas en délit encore. Il est presque un crime dans l'opinion. Maintenant, si nous faisons procès, nous faisons tenir procès, nous prenons gagner occasion de manière didactique pour nous capables de signaler à des jeunes garçons qui ont des âmes, jeunes femmes qui ont des âmes, et qui ont endeuillé des familles, et que pour nous capables de prendre conscience de ne pas des âmes encore. Mais si on travaille des procès, vous savez, quand elle médiatise, le ministère public a recueilli la peine, le juge a décidé, la fait exception, attendu que
tel concept tombé. Et que nous n'avons pas conscience que pas de moyen, ça m'encore, pour détruire la famille. Vous signifiez partie de l'ordonnance déjà? Oui, il faut me signifier. Il faut me signifier d'abord. Moi-même, j'ai 3 jours ordinaires qui est dans la région France, et 3 jours ordinaires, et les parties ont 10 jours pour interjeter l'appel. Donc, normalement, de manière procédurale, il faut me signifier partie avant, pour moi, ce n'est pas appel tout. Et vous avez des lettres pour faire appel par eux-mêmes? Oui, on capable de faire par eux-mêmes. Que ce soit parti civil ou bien parti qui a défendu Anel. Tout à fait, tout à fait. Comment nous pourrons faire ça pour permettre que la loi applique comme ça doit pour nous suivre tout principe? Non, procès. Un procès n'est jamais gagné d'avance. C'est ça le principe de la vie. Donc, procès est capable de faire. Donc, en nous tenant tenu procès pour nous, et qu'est-ce qui va se passer? Nous avons pour nous qui ça s'appelle dans le dossier Anel Belize, ou même comme avocat de la société, ou prêt pour droit prévenu respecté. Moi-même, pour un procès équitable, pour un grand procès, quand on va requérir la peine. Et c'est ça le rôle du ministère public. Voilà, c'est commissaire gouvernement Port-au-Prince AI, M. Jacques Lafontaine, dans le micro, Beethoven, François Fils. Un avocat, ancien député Anel Belize, qui s'est mettre Marc-Antoine Maisonneuve, dit Apton, et procès à, dans correctionnel, pour capable de défendre client Anel Belize avec Kilik, Pierre Kilik, Semelus, d'après ça, le fait connaître, et qui est en prison d'aide à la loi. Si ça met Maisonneuve précisé, il dit, il n'y a pas fait appel. Apton, dans le micro, Beethoven, François Fils. Il s'agit d'une ordonnance à travers laquelle le juge instructeur a ordonné de mettre hors des liens de la prévention et plusieurs prisonniers politiques, plusieurs inculpés et Paul Joannel et autres. Et Fomdo, à l'exception de Anel et Belizère avec Pierre Kilik Semelus, ben, j'ai lu l'ordonnance. À l'exception de deux Mounsayo, le juge instructeur l'a mandé pour déférer ou bien pour aller juger par devant le tribunal et correctionnel. Et qu'il y a là, la question qu'il faut formuler, est-ce que le commissaire du gouvernement va effectivement interjeter appel de ça qui passe à l'ordre? L'idil pas fait appel, l'idil pas interjeter appel. Bien content parce que on est d'accord avec Beethoven et ces prisonniers politiques et ont été considérablement victimes parce que pas oublier ils étaient restés en prison au-delà du délai qui est prévu et par la loi d'ailleurs ils étaient supposés instruction étaient supposés finir le délai qui pas dépassé et 3 mois mais ils presque 8-9 mois là 10 mois depuis que vous fermez en prison. Et forme de bien, et pour Anel, qui ça yo lagué sous dol, c'est détention zami légal avec menace. Bon. Et pour Pierre Kilik Semelus, c'est port zami légal avec un autre mensonge, vol, et zami yo lagué sous dol. Bon, forme de j'ai parlé à Kilik hier soir. Mais nous avons parlé d'une question de vol zam aux policiers, l'ordonnance, l'yolagé sous dos. Est-ce qu'on va dire ça? Je dis, M. Maisonneuve, c'est tel jour que tu as une manifestation, et puis manifestation, tu finis très tard, tu as campé tel côté, et puis après, je regarde sur les réseaux sociaux, je mets des photos, il y a un monde qui a laissé policiers, et que le monde qui parle au MIO, ou bien proche équipe au pouvoir, là, a fait comprendre que Kilik Semelus, c'est des amis policiers, ça, il prend des amis. Bon, attendez bien. Jusqu'à cette présente minute, et Pierre Kilik Semelus n'a jamais vu ce policier-là. Ouais. Elle a dit, c'est une mention, je dis, c'est fait pas qu'un bé. Bon, plutôt, attendez. Je vous donne la garantie que nous allons obtenir la libération de ces deux prisonniers politiques. Voilà, c'est Maître Marc-Antoine Maisonneuve, un avocat. Et Anel Belize, tu as parlé comme ça dans le micro, Beethoven, François Fils.